Ah merde, putain, ça fume ça, merde. Très bonne entrée ou quoi, les gars? L'intro de la vidéo, youhou! La famille, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va react à la pire émission, l'émission la plus malaisante. Tu connais, on connaît, nous connaissons tous, C'est mon choix, l'émission C'est mon choix, qui était présentée sur la 21, il me semble. Il y en a eu des cas, les frérots, et donc aujourd'hui, on va tout simplement réagir au pire malaise, au... Frère, genre limite, tu sais, t'avais un frisson de gêne, genre tu savais même pas où te mettre alors que t'étais sur ton canapé, etc. Heureusement qu'elle est finie. On va donc, react à des petits phénomènes, des phénomènes de la société, voilà, en voie de disparition, miskin. Allez, premier cas, les gars, c'est parti, ça va envoyer du steak. Parce que je vois, tu n'as jamais vu. Ok, donc les gars, déjà, le mec, il est à skip imitateur de Kev Adams. J'ai l'impression qu'il a un petit t-shirt I love Kev Adams, je sais pas quoi, bref. On va voir si le frérot, il va avoir la même carrière. Blague qui n'a jamais fait rire. Toute la journée, t'es en Kev. Attends, déjà, le mec qui rajoute les sound effects, là, le petit son derrière, tu sais que ça va chier sa mère. Adams, là, t'es en roue libre. Toute. Même en manger. Même quand je mange, je fais le fou. Et donc, c'est mon one man show en mangeant. Enfin, c'est ce matin que je me suis dit que je devais acheter une baguette. Ouais, mais frère, attends, mais lui, faut l'interner, le sale gosse, le gamin, là, le mioche. Mais je me dis, comment tu peux envoyer... Imaginons, demain, t'es daron. Comment tu peux envoyer ton gosse faire une émission comme ça, sachant que tu sais qu'il va se taper la honte, qu'il va se taper l'affiche. Soit t'aimes pas ton gosse... Soit c'est bien de croire en lui, mais genre, au bout d'un moment, faut avoir les pieds sur terre, quoi. Soir, surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky. Tu le skis. Non, mais attends. Trotsky, tu le skis, frère. Arrête, genre, mec, j'ai eu un frisson de gêne, je savais même pas que ça pouvait exister. Moquez-vous, petit insolent. Et remontez-moi ce pantalon. Ah oui, un tout petit peu le pantalon baissé. J'ai pas les mots, le mec il est en full impro. Ok, deuxième vidéo, déjà on a le titre très aguicheur qui te dit essaye de ne pas être mal à l'aise. Donc là tu sais que mon frère, tu vas partir dans un zion, tu vas avoir envie de te cacher en fait. Le chocolat. Je dis juste que voilà, c'est juste dommage Laurie si un jour tu passes à côté. Ah, c'est vrai qu'il y avait déjà des invités. Bon, la plupart, ils savaient pas ce qu'ils foutaient ici, frère. Ils ont dû recevoir un call en mode « Ouais, il y a moyen que tu fasses partie de l'émission, c'est mon choix. » Oh, la vie de ma mère, j'ai l'impression qu'ils étaient là avec le couteau sous la gorge. Ils essayaient de participer, mais il y avait des cas. T'as l'impression que tous les gens qui viennent à C'est mon choix, c'est des gens qu'ils ont trouvé, je sais pas, dans la nature, comme ça. Il y en avait pas un qui était, je sais pas, soit sain d'esprit, soit... genre, en gros, ils étaient tous déconnectés de la réalité. Même si elle passe à côté, elle verra pas de façon. Et il y a un truc que Laurie a pas compris, on dit tantôt, elle est dure avec les petits, mais ce qu'elle a pas compris, c'est que les petits peuvent être durs avec elle. C'est vrai. Oh, yo, qu'est-ce qu'il a raconté, le poteau, frère? Tu vois, il regarde si, tu vois, à droite, à gauche, les gars rigolaient un peu ma blague, genre, je suis un peu tout seul, tu vois. Tantôt, déjà, le frérot, il commence sa phrase par tantôt, tu sais que ça va partir en couille. Elle est dure avec les petits, mais ce qu'elle a pas compris, c'est que les petits peuvent être durs avec elle. Bon. T'as 2-3 mecs dans le public qui se sont dit allez, allez, on va lancer le. Ouais. pas mal, Jean-Fred. Oula. Florian, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as dit que les femmes ronds ne faisaient pas de sport? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on parlait des formes, j'ai dit qu'à la salle de sport. Les gars, on connaît tous cet extrait, on connaît tous, mais vas-y. J'ai voulu le remettre parce que laisse tomber, il est. Moi, j'en ai du gras. Et j'ai fait beaucoup de boxe française. Waouh! Oui. Waouh, les gars, regardez. Regardez la championne. Vos gants. Mes gants. De boxe? Voilà. Elle a ramené son diplôme et tout. En mode, la meuf, c'est Mike Tyson, tu vois. Elle va vous coller au tapis. Merci. Elle va vous coller au tapis. Retenez cette phrase. C'est parti. Regarde, le pire, c'est les cris qu'il y avait, genre... Ya ! Ya ! Ya ! Ya !
Genre, calme-toi, les frères. Genre là, en plus, c'est même pas un ring, le truc, c'est le plateau, c'est mon choix. Genre, frère, tranquille, tranquille, les frérots. Et doucement, Florian. Bon, le mec, tu vois quand même qu'il frappe pas beaucoup, hein. Tu vois, genre là, il doit être quoi, peut-être à 20%, un truc comme ça. Et doucement, Florian. Et Evelyne qui dit ouais, doucement Florian, ouais, doucement, parce que frère, genre fais pas le mec quand même, parce que tu vas le coller une tarte, frérot, et la meuf elle va voler, tu vois. Cette émission, c'est trop une dinguerie comment ils aiment trop afficher les gens. Genre déjà, les gens ils sont un peu dans une situation en mode malaisante, ils mettent tout en scène pour justement niquer encore plus leur répute. Prochaine vidéo, la famille. Accrochez-vous bien quand même. Et baissez peut-être un peu le son de la vidéo, parce que vraiment le niveau de cringe là, mes frères, il est à son paroxysme. Non mais frère, je vous jure les gars, ça fait... J'ai peut-être vu peut-être deux, trois fois cet extrait, et j'ai toujours... Je sais pas. Genre, je sais pas quoi dire carrément, les frères, j'ai pas les mots. Genre, je suis juste là comme ça, là t'as une basse-cour qui gueule sur le plateau, tu sais pas où te mettre. Genre, je me dis, imagine, genre t'es la présentatrice. Bon, elle doit avoir l'habitude, elle doit avoir un peu des ordres, tu vois. Et ou même, imagine t'es dans le public, genre t'es là en mode... Genre, imagine en plus s'il y a un chauffeur de salle et tout. Allez, applaudissez tous les bouffons là qui se mettent en scène là, qui se ridiculisent. Allez, ouais. Non mais gros, le cri, le canard là, le... Non, laisse tomber. Ça se voit trop. Les gens dans le public, ils sont obligés de rigoler. Genre lui, je crois que c'était de la famille de la meuf du canard, parce que lui, il se tape vraiment une barre. Mais Théma, regarde l'invité comme il est mal à l'aise, sa mère. Il est trop mal à l'aise. Je vais compter jusqu'à 3 maintenant, et à 3 lorsque tu vas te réveiller. Lorsque tu vas croiser mon regard. Ok, le mec, il est... comment on dit... Ah oui, le mec, il est hypnotiseur, il hypnotise. 1, 2, 3, à voir. On ouvre les yeux maintenant, on se détend. Oui, oui, oui. Bonsoir. Ouais, elle a l'air rapta, la meuf. Ça va? Regarde, de plus en plus amoureuse maintenant. Ça marche pas du tout. La timidité maintenant, la timidité s'en va. Tu vas avoir une folle envie de venir dans mon cou maintenant. Non? Dans mon quoi? Dans mon cou? Mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Envie de venir dans mon cou maintenant. Non? Elle est peut-être pas réceptive alors. Je vais compter jusqu'à... Non mais frère, non mais... Le blanc, en plus le pire, c'est les blancs qu'il y a sur le plateau. Mec, t'es là? Allez, viens dans mon cou, viens dans mon cou, sois réceptive là, tu vois. Genre, c'est frère. Non, cette émission, frère, c'est une dinguerie. Les frérots, surtout ne jamais postuler pour une émission comme ça, s'il vous plaît. Genre, respectez-vous un peu, tu vois, respectez-vous. Enfin bref, les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère aussi que vous avez été bien mal à l'aise, bien gêné, bien... Vas-y, dégoûté de cette émission à la con. La famille, n'hésitez donc pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, à vous abonner. Voilà, bref, c'était Tinto. Prenez soin de vous. Ciao !